Bonjour tout le monde, 25 février 2022. Aujourd'hui, on parle de féminisme à l'occasion du 8 mars qui s'en vient dans quelques jours. Je m'entretiens aussi avec Développement et paix Outaouais qui fait du développement à l'international. Et Stéphane Ouimet nous parle des effets de l'isolement sur notre santé et notre société. Bonne émission. Le mois de février se termine dans quelques jours seulement. Ça veut dire que le 8 mars s'en vient, soit la Journée internationale des droits des femmes. Ce sera une journée importante. On en parle donc avec Sabrina Saint-Amour, intervenante en sensibilisation à la Maison pour elle des Deux-Vallées. Bonjour Sabrina. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et toi, comment tu te sens là, à l'approche de cette journée du 8 mars? Je me sens très fébrile, en fait. C'est une grosse journée pour les femmes, pour tous les droits qu'on a eus avec les années, qu'on a acquéris. Donc, très fébrile. Oui, mais oui, il y a des droits qui ont été acquis comme ça, mais c'est pas partout dans le monde que c'est égal, hein, bien entendu. Puis même au Canada, des fois, il y a des droits bon, qu'on a acquis à travers les années, mais sont chancelants. Des fois, ça revient dans les discussions. Là. Par exemple, le droit à l'avortement, bon, c'est un droit qu'on a ici au Canada, mais parfois, il y a des partis politiques qui remettent ça sur la table, qui viennent questionner ce droit. D'ailleurs, pour vous, c'est très important là, à la Maison pour elle, les Deux-Vallées, ce droit à l'avortement. Pourquoi? Hein? Puis c'est quoi le lien, en fait, entre l'avortement et la violence faite aux femmes? Il y en a un lien, mais on n'en parle pas souvent. Mm-hmm. En fait, c'est ça. Nous, on est très chanceux qu'au Canada, l'avortement a été décriminalisé en 1988. Par contre, comme tu l'as dit, ça revient toujours sur le milieu politique. En fait, le lien se fait au niveau de la violence quand on parle de toute la violence sexuelle. Si un homme refuse le port du condom, que la femme tombe enceinte, s'il y a des agressions sexuelles qui peuvent avoir lieu dans le couple, c'est là que le lien va se former. Pourquoi qu'on dit qu'il y a des inégalités dans le monde? C'est parce que nous, oui, c'est décriminalisé, mais partout dans le monde, il y a des pays où la femme peut se faire avorter seulement si ça représente un danger pour elle ou pour son enfant, puis il y a d'autres pays dans le monde où elle ne peut juste pas. Donc, pour nous, le fait que l'avortement soit décriminalisé, ça fait en sorte que la femme a un réel contrôle sur son corps, qu'elle peut contrôler si elle veut se reproduire ou non. Puis, en fait, c'est beaucoup plus que d'avoir un contrôle sur son corps, mais c'est bel et bien d'avoir un contrôle sur sa vie. Oui, le contrôle sur sa vie, c'est ce qu'on souhaite pour les femmes. De là, l'importance de cette journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je le rappelle. Et cette année, le thème de cette journée, ce sera « L'avenir est féministe ». Oui. Sabrina, est-ce que tu sais pourquoi ce thème a été choisi cette année en 2022? En fait, c'est qu'elles ont choisi un slogan qui met en lumière la nécessité d'agir en monde tissé de l'égalité, de solidarité, de justice, de paix et d'équité. Puis je crois qu'en 2022, on est rendu là. Mm-hmm. Comment tu décrirais le féminisme, toi? Parce que là, c'est pas juste de brûler les brassières. Là. Non. Des fois, on associe cette image, mais je pense que c'est une image plutôt négative ou du moins vraiment pas représentative de ce que c'est. Qu'est-ce qui représente pour toi le féminisme? En fait, je peux te dire au niveau de notre équipe, donc on a choisi une définition pour nous. Qu'est-ce que ça représente le féminisme? Comment qu'on peut le démystifier? Et j'ai sorti trois phrases pour vous. Donc, au niveau de ton équipe, donc les femmes qui travaillent à la maison d'hébergement pour elles, les Deux-Vallées, le à Buckingham. De mon équipe de travail à moi, bien évidemment. Okay. Donc, c'est l'égalité des sexes dans toutes les sphères de notre vie. C'est où les hommes ont le droit de vivre leurs émotions et de pleurer et où les femmes ont le droit d'être payées autant que les hommes, de marcher dans les rues sans être harcelées et de vivre une relation amoureuse sans être tuées. C'est aussi un mouvement, une façon d'être, une lutte initiée par des femmes courageuses dans l'acquisition de droits et dans l'amélioration des conditions de vie des femmes dans une société patriarcale
dont les croyances de la droite politique sont une menace à ce qui a déjà été durement acquis. Tu le disais un petit peu tantôt que oui, on a acquis des choses, mais que des fois, il y a une menace. Donc, mon équipe a vraiment mis l'accent là-dessus. Mm-hmm. Et vous, c'est ça, le féminisme, c'est important pour vous également là, à la maison, mm-hmm. pour elle, les deux vallées. Est-ce que vous organisez des activités pour sensibiliser les femmes hébergées? Parce que là, c'est une définition ici qui provient de l'équipe de travail, oui. les intervenantes. Mais qu'est-ce que les femmes hébergées à votre maison pensent de ça, le féminisme? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ça, là, celles qui vivent de la violence conjugale? Oui, mais en fait, on essaye d'aborder le féminisme dans notre salle de réunion. Nous, on a toutes les c'est quoi le féminisme, la définition du féminisme qui est affichée. On parle aussi de société patriarcale. On parle de leurs droits dans la société. On parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous, notre mission, c'est d'être en transparence avec la femme, puis c'est ce qu'on leur dit. Nous, qu'est-ce qu'on met en place, en fait, pour le 8 mars, c'est qu'on va aller sensibiliser autant les femmes hébergées que la communauté. Puis au niveau des femmes hébergées, c'est vraiment de leur dire c'est quoi leurs droits et de leur montrer, en fait, toute la possibilité qu'elles peuvent avoir. Mm-hmm. Elles ont du pouvoir et elles peuvent oui. le prendre, ce pouvoir-là, et ne pas être soumises aux hommes. Et je m'inclus là-dedans, je t'inclus là-dedans. Donc, toutes les femmes, on est inclus là-dedans. Sabrina, qu'est-ce qui aura lieu pendant cette journée du 8 mars de façon régionale ici? En fait, le comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais organise la 5e édition du rassemblement féministe. C'est vraiment un événement qui va permettre à toutes les femmes de la région de l'Outaouais de se réunir, en fait, le 8 mars. Puis la thématique de ce rassemblement-là, c'est le féminisme à travers nos différences. Donc, il va y avoir un panel d'invités, puis ça va faire, là, ils vont venir nous parler du féminisme et comment le féminisme peut nous rassembler malgré le fait qu'on est toutes des femmes uniques. Mm-hmm. Et donc, c'est un événement virtuel auquel on peut oui. s'inscrire. Si on va sur la page sur Facebook, en fait, si on tape là, dans l'onglet de recherche 5e rassemblement féministe, il y a un événement qui va apparaître. Et dans cet événement, dans la description de l'événement, il y a un lien sur lequel on peut cliquer. Sur lesquels on peut donc s'inscrire. Et à ce moment-là, ben, on recevra le lien Zoom. C'est à travers Zoom que ça se fera cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi cette année, donc pour le 8 mars dans la région? Est-ce qu'il y a autre chose ou pour souligner donc les femmes? Bien, en fait, nous, c'est sûr que la maison d'hébergement, on va être présente, là, comme je disais, au niveau des femmes, au niveau de la communauté et au niveau de l'équipe de travail. Donc, ça va être de rester à l'affût de notre page Facebook parce qu'on va toutes mettre les actualités sur notre page Facebook okay. de la maison d'hébergement. OK, excellent. Puis, je pense que accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais fait quelque chose. Peut-être pas le 8 mars, par contre. Oui, non, c'est ça. Dans le fond, la FIO organise là, un événement qui va avoir lieu le 11 mars. Puis, il va y avoir plus de détails là, dans les semaines à venir. OK. Puis individuellement, si moi je suis avec ma famille, comment je peux souligner peut-être cette journée bien particulière? Bien, en fait, moi, je vous invite individuellement à vous poser la question, c'est quoi pour vous être féministe? Puis comment vous pouvez transmettre l'idée d'être féministe à vos enfants, à vos collègues, à vos proches? Donc, mm-hmm. en parler, c'est résoudre un conflit. Mm-hmm. Sabrina Saint-Amour, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Le mouvement Développement et Paix Outaouais est en pleine campagne de financement présentement pour financer des projets d'aide et de développement à l'international. Alors, on en parle avec un membre de la division régionale ici et également retraité comme animateur de pastorale, M. Pierre Lachance. Bonjour. Bonjour. Pierre Lachance, c'est un mouvement qui vous tient à cœur, donc Développement et Paix Outaouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, Développement et Paix Outaouais? Développement et Paix Outaouais est relié au mouvement. Ce n'est pas une organisation, c'est un mouvement chapeauté par les évêques du Canada,
d'est en ouest, et puis composé de bénévoles uniquement, des bénévoles laïcs qui n'ont rien à voir avec la prêtrise, tout ça. Et puis, c'est pour aider à l'international des pays à se développer par des projets. Et pour nous, on croit que le développement passe par la paix. Mm-hmm. Vous êtes combien de membres à travers le Canada? À travers le Canada, je ne le sais pas. Ici, dans le diocèse, il y a peut-être plus d'une cinquantaine de membres, dont 10 qui font partie du conseil diocésain. Et il y en a peut-être plus qu'on ne connaît pas, mais la liste est longue. Il y a peut-être une centaine de membres. Certains, on les voit, d'autres, on ne les voit pas. Mm-hmm. Et vous, ça fait quand même 6 ans que vous êtes membre. Vous faites partie de ce conseil diocésain de l'Outaouais ici. Dites-nous, donc, les projets à l'international, on parle de quoi là, ici? Là? Quel genre de projet vous faites? Bon, il y a actuellement 18 projets en formation. Le développement et paix existe depuis une cinquantaine d'années, peut-être plus. Et puis, chaque année, on choisit 3 ou 4 projets. Il y en a des nouveaux, il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps. Ce sont des projets de développement durable. Et il arrive assez régulièrement que des projets, une fois qu'ils ont été partis, n'ont plus besoin nécessairement de l'aide de développement et paix et continuent par eux-mêmes. Et cette année, on privilégie le Honduras, le Cambodge, le Madagascar. Qu'est-ce que vous faites là, dans ces pays-là, notamment présentement? Au Honduras, c'est au niveau des terres, des droits territoriaux. Il y a un autochtone qui a défendu les droits territoriaux, qui a été emprisonné, et Développement et Paix est au courant de tout ça. Et souvent, c'est par des compagnies minières ou d'exploitation des ressources du pays. Ensuite, au Cambodge, c'est de protéger la défense des titres territoriaux qui existent déjà, mais dont la facilité d'empiéter sur leur territoire peut détruire beaucoup de choses. Et pour ce qui est du Madagascar, c'est un pays vulnérable. Ils viennent d'avoir une catastrophe climatique. Et puis, c'est un pays très pauvre, souvent l'eau potable et puis les habitations, tout ça, c'est pas adéquat. Alors, ils demandent de l'aide de développement et paix. Oui. Tantôt, on parlait des droits des femmes à l'occasion du 8 mars là, avec Sabrina Saint-Amour. Est-ce que vous travaillez, vous, au sein de Développement et Paix Outaouais et à travers le Canada? Là, c'est une organisation à travers le Canada, comme vous disiez tantôt. Est-ce que vous travaillez pour les droits des femmes aussi dans certains pays? En Haïti en particulier, oui. Il y en a d'autres aussi où des femmes prennent la responsabilité de faire fonctionner les projets en demande. Des fois, c'est certains hôpitaux. D'autres fois, c'est au niveau de commerce des produits de fermes d'agriculture ou encore de défense des droits de la personne, justement. Le droit des femmes est très important dans tous les pays où on travaille. Mm-hmm. Et vous, est-ce que vous avez participé à du développement à l'international? J'ai une expérience internationale très courte, mais je suis allé en Haïti parce que quand j'étais animateur de pastoral, on avait l'équivalent de développement et paix qu'on appelait Jeunesse du monde. Et puis, on est allé en République dominicaine dans les plantations de canne à sucre. C'est de l'esclavage humain là-dedans. Là. Et puis, on est allé en Haïti aussi pendant 3 semaines. C'est une courte expérience, mais assez pour voir ce qui se passe. Assez pour, j'imagine, vous faire prendre conscience de l'importance de s'impliquer dans le développement international. Oui, vous avez vu que ce que vous faisiez pouvait faire une différence dans la communauté où vous étiez en Haïti à ce moment-là? Oui, on peut y aller pour faire des choses, mais on peut s'apercevoir qu'avec le temps, eux nous montrent comment faire aussi, parce qu'on ne peut pas les aider en leur donnant nos notions nord-américaines. Il faut les aider dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont. Et si on les aide, il faut leur montrer comment continuer. Un peu avec l'adage, bon, je te donne à manger, je te nourris pour une journée, je te montre à faire à manger, là, tu peux te nourrir pour très longtemps. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils vous ont montré, ces gens-là, quand vous êtes allés? Par exemple, la façon de moi quand j'y suis allé, la façon de faire des savons à base de plantes médicinales. On leur a montré comment aussi dans la conservation de l'eau, juste avec un peu d'eau de Javel, ils
puisse enlever parce que l'eau n'est pas potable partout, là. Bon, ensuite, visiter surtout les projets qu'ils ont faits par même d'autres groupes d'entraide internationale. Je pense à la Croix-Rouge, par exemple, je pense à l'UNICEF. On n'est pas en compétition avec aucun mouvement de ce côté-là. OK. Mais oui, c'est ça, il y a quand même plusieurs mouvements, plusieurs organisations qui font de l'aide à l'international. Pourquoi on devrait contribuer à votre organisation plutôt qu'à une autre? Bien, parce que développement et paix, comme je vous ai dit tantôt, c'est surtout par la paix que le développement existe. On veut promouvoir non dans la violence, on veut que le plus de gens s'impliquent aussi. Et comme c'est un mouvement catholique, alors à ce moment-là, on a un plus grand réseau de financement qui passe par toutes les paroisses du Canada. Et on fait aussi partie du mouvement, c'est-à-dire Caritas International, Caritas qui veut dire charité. Et puis, Développement et paix fait partie de Caritas International. OK. Alors, vous voulez dire par là que c'est un mouvement sécuritaire? C'est un mouvement très sécuritaire parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans la façon d'envoyer les dons dans nos projets. Il y a un conseil national à Montréal où, quand on regarde les statistiques dans une tarte, un dessin d'une tarte, par exemple, la pointe de tarte pour l'administration, elle est très, très petite parce que tout l'argent va dans des projets internationaux. Et c'est dans le Conseil national, il y a 11 personnes et plus 4 évêques de différents diocèses du Canada. L'Ouest et l'Est sont représentés. Le côté franco-anglo sont représentés aussi. OK. Et qu'est-ce que c'est la campagne de financement présentement dans laquelle vous êtes? Bon, la campagne de financement pour ramasser des sous pour les projets dont on s'occupe cette année et d'autres projets aussi, c'est qu'une fois par année, pendant le temps du carême, qu'on appelle carême partage, on fait ces campagnes-là dans les paroisses. En même temps, pour nos situations, on veut rencontrer les députés fédéraux de chaque comté pour, comme cette année par exemple, on a demandé il y a quelques années qu'il y ait un ombudsman de nommé pour surveiller les projets où les compagnies canadiennes, compagnies minières surtout, qui sont présentes un peu partout, puissent avoir un code de conduite, des choses qui se font là-bas qui seraient plus ou moins douteuses, ben ici, ça ne passerait pas. Alors, on a demandé de nommer un ombudsman. Cette dame-là a été nommée en 2018, a commencé à travailler en 2021 et actuellement, on demande aux députés de lire en chambre qu'une loi soit votée pour donner plus de puissance à la force que l'ombudsman peut avoir. Et puis, surtout que les personnes lésées dans ces pays-là puissent être capables de même venir avec une plainte au Canada et en justice canadienne sanctionner des compagnies minières canadiennes ou d'exploitation canadienne qui sont fautives. Donc, ce sont des compagnies canadiennes qui font de l'exploitation minière dans d'autres pays, mais ces compagnies ne respectent pas certaines pratiques. Et vous voudriez que l'Ombudsman ait plus de droits de sanctionner donc ces compagnies canadiennes qui ne respectent pas certaines pratiques. C'est un droit d'observation, mais en même temps que la loi puisse au Canada dire « OK, on va surveiller et puis là, il y aura des sanctions de données aux compagnies qui ne respectent pas le code canadien. La plupart des compagnies le respectent, mais il y en a, c'est comme n'importe quoi. Hein. Dès que le chef n'est pas là, on en passe par en dessous de la porte. Oui. Alors, quand vous mentionnez ça, cet aspect-là là, avec l'Ombudsman, ça fait partie de votre campagne de financement aussi? Pour cette année, c'est la campagne de sensibilisation et la campagne de financement, puisqu'il y a une campagne de sensibilisation qui se fait à l'automne pour préparer la campagne de financement au printemps dans le temps du carême. Et que cette année, dans les paroisses, ce sera le 3 avril. OK. Par contre, pendant toute l'année, les gens peuvent faire des dons, soit par le site web de Développement et paix, qui est très facile d'accès, ou encore par une fonction qu'on appelle partageant. C'est un retrait à la source que des gens permettent de faire pour que des dons soient prélevés à chaque mois.
Oui, alors différentes façons de faire, mais donc c'est possible d'aller directement sur le site web de développement et Oui. paix. Monsieur Pierre Lachance, merci. Ça fait plaisir. Bonne campagne de financement. Merci bien. OK. Et on termine l'émission avec le kinésiologue Stéphane Ouimet. Bonjour. Ah, bonjour Ferrali, ça va bien? Il fait beau. Ben oui, on le voit chez toi, chez moi aussi. On a un peu de reflet. Hein? Ouais. On est en fin d'après-midi, on l'enregistre un petit peu d'avance cette émission, il faut comprendre. Stéphane Ouimet, aujourd'hui, tu nous parles des effets de l'isolement sur notre santé, sur notre société. Ça fait 2 ans, on ne peut pas se le cacher, ça en a des effets sur notre santé. C'est quoi les effets après 2 ans là, à s'être isolé? Évidemment, au début de la pandémie, on m'appelle souvent parce que je faisais beaucoup de chroniques, soit à la télé, à la radio. Puis on a commencé à dire qu'on n'a plus vraiment de sujets en lien avec l'activité physique. Donc, on me posait toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Puis après un certain bout de temps, ce qu'on dit à la logique de dire, hey, il n'y a pas rien de magique qu'on peut faire. Il faut essayer de demeurer actif, sachant très, très bien que pour multiples raisons, puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, les gens ont été de moins en moins actifs. Dites-vous qu'avant la pandémie, là, seulement 50 % des gens faisaient de l'activité physique à la lueur des recommandations de Santé Canada. Ça veut dire que 50 % du monde ne faisait pas 150 minutes d'activité physique par semaine. Cette proportion-là, là, aux alentours de 2021, là, elle a diminué là, environ 30 à 60 % des gens ont dit que leur niveau d'activité physique avait diminué. Donc, vous comprenez que ça, cet effet-là est absolument immense. Puis ça, je ne parle même pas des derniers mois, qui pour moi est devenu une genre d'écœurantite aiguë, où on a eu un immense manque de motivation. Puis nous, les professionnels de la santé, on s'était tourné de bord puis on s'est dit, hey, quelle belle façon de se réinventer, de faire l'activité physique de différentes façons. On va aller à l'extérieur, on va faire des vidéos en ligne, et ainsi de suite. Et oui, ça a eu un effet positif de maintenir les gens actifs, mais est-ce que c'était vraiment la formule qui pouvait venir remplacer cette fameuse faire de l'exercice, faire du sport, aller danser en groupe, faire de l'activité là, dans des grands groupes? Absolument pas. Mm-hmm. C'est une des raisons pourquoi on a vu une immense diminution. Maintenant, on sait aussi que l'essoufflement des gens, ça a des effets sur la motivation, mais aussi plusieurs autres raisons qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Par exemple, l'effet du télétravail. On s'est dit, hey, pas besoin de te déplacer le matin, tu n'as pas besoin de prendre ta douche, pas besoin de te mettre des pantalons pour faire des rencontres via Zoom. Fait qu'on va faire plus d'activités? Plus de temps, mais malheureusement, il y a une immense proportion des gens qui se déplacent au travail, à vélo, par déplacement actif ou à la marche. Cette proportion-là, elle a diminué. Mais aussi le fait que juste de regrouper la famille, de consolider la famille avec le travail est devenu difficile. Vive l'école à la maison. Pensez-vous que le monde avait le temps de faire de l'activité physique quand absolument on était pris pas à faire l'activité physique à la maison? Et maintenant, ben, tout ça est venu aussi s'ajouter avec le temps. Dans le monde du travail aussi, un manque de motivation parce que tes collègues de travail, de pouvoir voir des gens, ça a eu des effets très, très, très néfastes sur la motivation des gens, qui les amenaient vers un grand essoufflement, encore une fois, que j'utilise souvent comme terme pour dire aux gens que c'est juste une écœurantite plus en plus difficile. Maintenant, on n'a pas envie de se bouger à ce moment-là puis vraiment de faire quelque chose pour faire de l'activité physique. Mais Stéphane, tantôt, tu nous parlais de statistiques, là, disons, à l'échelle plus globale, là. Mais j'aimerais ça que tu me parles aussi de toi, là, ce qui s'est passé dans le cadre de tes cours de groupe chez Myokin. Tes inscriptions, tes membres ont diminué là, drastiquement. Absolument. Puis moi, j'ai vécu là, comme 2-3 comme couches, là, qu'à un moment donné, ça ferme, ça repart, ça ferme, ça repart. Au début, les gens, ils trouvaient des affaires différentes. Après ça, les gens, ils ont dit, oh, j'avais tellement hâte de voir des gens, je suis là. Maintenant, on va vivre un impact qui est difficilement quantifiable. Mais quel va être l'effet à long terme que notre population a été sédentaire? Moi, inactif. Moi, dans mes cours, je suis comme un peu le motivateur à l'intérieur de tout ça. Les gens s'inscrivent aux cours, ils disent « j'y pense pas, j'y vais », ça devient facile de faire l'activité physique. Puis depuis qu'on est recommencé, là, ça fait environ 2 semaines, là, je peux vous dire que la participation de gens inscrits est environ à 50 %. Pas qu'il y a 50 % de moins de monde qui se sont inscrits. 50 % du monde inscrit ont plus de difficultés à participer. Puis ça, pour moi, c'est des chiffres que j'ai jamais vus avant.
me cacherai pas que ça me stresse beaucoup parce que non seulement pour moi qui a vécu ça difficile dans les derniers mois à cause de la pandémie, mais comme le gars qui a un restaurant, même s'ils disent que tu as le droit d'avoir 100% des gens qui sont là, s'il y a mm-hmm. 50% des gens qui commencent à retrouver le goût d'aller au restaurant puis que ça prend plusieurs années, on ne le sait pas. Donc, tous ceux et celles qui disent, tu vas voir, Steph, le monde, ils ont tellement hâte de faire des activités physiques, là, ils vont revenir en grand nombre encore plus. Permettez-moi de mettre une grosse bémol qu'en activité physique, vous l'avez tous déjà vécu. Si vous arrêtez pendant un mois, vous savez comment c'est dur de recommencer? Mm-hmm. Arrêtez pendant 6 mois. Faites des affaires tout croches. Pendant 2 ans, nos habitudes sont complètement flochées. Oui, c'est très difficile d'acquérir des habitudes. Puis une fois qu'on a pu les acquérir, ces habitudes-là, bien, si on arrête, là, c'est encore plus difficile de recommencer. Si c'était déjà difficile de l'acquérir, bref. Hein, c'est... Absolument. Puis aussi une question d'intensité. C'est une des choses qu'on a vu qu'il y a beaucoup dans les recherches qui demandent, c'est l'intensité. Fait que moi, je dis aux gens, une chose, un volet qui a amélioré, là, c'est l'activité physique libre. Fait que le monde marche plus qu'il marchait avant. Il n'y a pas rien d'autre à faire, sérieusement. Mm-hmm. Fait que les gens sont tournés vers ça, sauf que ces gens-là qui sont passés de marcher plutôt que de faire des activités physiques en groupe, ou des gars comme moi qui ont patiné en rond sur leur patinoire avec les enfants plutôt que de jouer au hockey, c'est pas le même type d'activité physique non plus. Puis pour pouvoir se donner, comme augmenter notre intensité, c'est très difficile de le faire tout seul. Ça prend quelque chose d'organisé, ça prend quelque chose d'encadré, ça prend des infrastructures. Puis quand ta seule activité intense dans la semaine, c'est de jouer au hockey avec tes chums, puis qu'il n'y en a pas d'hockey pendant X montant de temps, aller prendre des marches, c'est pas ça dans pas ta l'équivalent. Nature, donc, ça a devenu excessif. Ça aussi, ça a eu un grand impact. Oui. Mais Stéphane, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à partir de ce moment-ci, là, alors que ça rouvre là, tout ça? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se motiver, vraiment, à recommencer? C'est une bonne question, OK? On a eu, c'est un peu, je donne souvent l'exemple comme dire, tu sais, à un moment donné, on sait tous qu'on donne moins de câlins qu'on donnait avant. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour recommencer à donner plus de câlins? C'est difficile pour moi d'avoir la réponse à ça. Ma réponse à ça, si j'en ai une, c'est tout simplement de dire qu'on va continuer de refaire les choses qu'on veut faire. Ça veut dire d'offrir des services qui sont intéressants, qui sont adaptés, qui sont motivants, de parler avec les gens, de les réconforter, de les faire se sentir en sécurité et d'espérer que le plus rapidement possible, toutes ces craintes-là, ces habitudes de vie-là vont revenir à un meilleur état. Oui. Stéphane Ouimette de Myokin, merci. Bonne santé. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous invite à être des nôtres pour TVC Info à compter de mercredi. Vous pouvez aller voir nos pages Facebook, notre compte YouTube également. Toutes nos émissions y sont. Bonne fin de semaine. Au revoir.